septembre 2023, derniers jours, dernières heures en Indonésie. Après l'Atlantique et le Pacifique, la flotte du Gliwo s'apprête à traverser un nouvel océan. Derniers préparatifs sur les bateaux, briefing météo et avitaillement. 6000 milles à couvrir entre Lombok et Maurice. La flotte se scinde en deux groupes, ce sera la route nord pour les uns, un peu plus au sud pour les autres. Mais pour tous, l'Indien reste un océan qui nourrit tous les fantasmes, et parfois, il faut le dire, un peu de crainte. Il a fallu l'appréhender, c'est Loïc Perron qui était à l'arrivée de cette traversée, qui nous en parle. Un océan, c'est pas anodin à traverser, que ce soit l'Indien ou la Méditerranée, qui est un océan pour moi en tout cas, qui peut être tout aussi imprévisible. Je ne connais pas l'Indien dans le nord, sur la partie croisière, on va dire. J'ai pas la chance de connaître l'Indien là-bas, mais je le connais franchement dans le sud, mais là où faut pas aller. Sincèrement, hein, au sud des Kerguelen, il y a des icebergs, il fait un petit peu frais, et on y va en course la plupart du temps. Donc j'ai pas de point de vue et d'expérience particulière, mais d'une manière plus générale, en croisière particulièrement, je me méfie, et même en bateau tout court, je me méfie de tous les océans. Il n'y en a pas un plus facile qu'un autre, même le Pacifique, et pas toujours le bien nommé. Pourquoi ? Parce que quand on est sur un bateau, on est malgré tout dans un univers relativement encore inconnu, qui est magnifique, on doit respecter l'endroit où on est, on doit anticiper beaucoup. Et puis surtout, on a des informations maintenant, des anticipations faciles, plus faciles, de prévision météo. On a des bateaux rapides, heureusement, sous les bottes ou sous les pieds, pour pouvoir rallier ou s'échapper éventuellement d'un système météo. L'Indien particulièrement, il est vrai, est assez sujet potentiellement à des moussons, à des systèmes météo peut-être un petit peu plus compliqués. Mais je répéterai bien qu'il vaut mieux se méfier par principe de tous les endroits où l'on navigue. Se méfier, mais aussi profiter, l'Indien a été clément avec un vent portant emmenant la plupart de la flotte pour une première étape sur l'île australienne de Christmas Island. D'autres comme Foudbassan, Saga et Biotrek ont fait cap direct vers l'un des hits de cette traversée, l'archipel corallien de Cocos Keeling et son superbe lagon. Je suis envieux, bizarrement. Enfin, c'est pas bizarrement, mais ça fait des années que je rêve de faire ce qu'ils font. Alors, pas forcément en rallye, mais pourquoi pas. Je trouve que l'idée est vraiment géniale, le principe même de se retrouver ensemble, de partager des escales, éventuellement, et cette aventure incroyable. J'en rêve depuis tout petit, moi. Mes premiers émois littéraires de lecture, c'était la collection Artaud, de la famille Artaud, de notre regrettée Florence. Et là-dedans, il y avait essentiellement des discours et des récits de famille autour du monde, il y a 40 ou 50 ans, déjà. Sur les bateaux en acier, fabriqués dans les jardins, en béton armé. Et j'étais beaucoup plus passionné par ces récits d'aventures familiales que par des récits de courses qui n'étaient pas toujours bien écrits par des marins qui sont un peu bavards, mais pas forcément bien écrivains. Et voilà. Et donc, c'est parti de là, en fait. Une grande partie de mon amour de la mer, c'était ça. C'était l'envie d'y aller en permanence et d'y vivre. Et en fait, c'est plutôt la mer qui m'a fait vivre une autre passion, assez différente, parce qu'entre la croisière et la course, c'est quand même un monde. On va à des vitesses faramineuses, on passe pas dans le même endroit, j'ai fait 4 tours du monde sans jamais m'arrêter, c'est un peu idiot, partir des Sables d'Olonne pour y revenir, c'est pas la définition de la croisière pour moi. Donc j'en rêve, voilà, je rêve de faire ce qu'ils font, et le plus vite sera le mieux, ce serait l'idéal. J'en rêve avec mes enfants, ils sont maintenant grands, je vais bientôt être grand-père, avec un petit scoop au passage, eh bien on sait jamais, avec mes petits-enfants, de leur apprendre ce que c'est que cette belle école de vie quand on a le luxe et la chance de choisir ses souffrances, parce que c'est pas tous les jours drôle forcément, mais on n'a jamais le droit de s'en plaindre. Après cette superbe étape de quelques jours à Cocos Keeling, la flotte lève l'ancre pour la partie la plus longue de cette transocéanique, 2000 milles jusqu'à Rodrigues, première terre à l'est de Maurice. Avec des conditions un peu plus soutenues, mais tout à fait praticables, dans le grand large, certains ont même surfé côte à côte, comme Biotrek et Foudbassan. Et les multis ont avalé les milles. Moins de 8 jours par exemple pour Saga entre Cocos et Rodrigues, avec des moyennes journalières enviables sous SPI. Du rêve à la réalité, l'océan Indien, ça y est, c'est fait. On passe des mois, des années parfois à y penser, à rêver. Un tour du monde comme ça par exemple, en croisière, ça ne s'improvise pas. Ni le type de bateau sur lequel on est, ni le matériel qu'on embarque, ni les gens avec qui on embarque d'ailleurs. Après il y a des opportunités, mais globalement, il faut un peu se préparer, mais il faut laisser un petit peu de place pour l'aventure, évidemment, pour l'inconnu, pour le hasard, mais il faut justement s'y préparer. Je trouve qu'en termes de matériel, il ne faut pas tomber dans l'excès, éventuellement, d'avoir à peu près tout ce qu'il faut à bord,
La partie la plus importante, vraisemblablement, en croisière, c'est peut-être l'aspect médical. C'est la seule chose qui puisse arriver, l'aspect matériel. On se débrouille toujours, les bateaux, ça flotte, ça avance, quelles que soient les directions du vent, un peu de choses près. Mais après, je trouve que la plus belle partie de ces voyages incroyables, et c'est ce qui me permet d'être en vie encore aujourd'hui, c'est le rêve. C'est donc la préparation, c'est l'imagination. Et j'ai écrit un jour une petite phrase qui est souvent répétée, c'est que le plus beau des voyages est celui qu'on n'a pas encore fait. Et les bateaux sont les plus beaux supports de rêve de ce point de vue-là. Parce qu'avant même de mettre les pieds sur son bateau, on en rêve. On rêve de la préparation, des escales, on sort des cartes papier. Enfin, moi, je suis encore un peu dans ce style-là. Et c'est le rêve qui fait beaucoup partie du voyage et qui permet justement de se préparer encore mieux. Et il est vrai que la littérature, avec toutes ces expériences depuis un demi-siècle maintenant, de toutes ces familles qui ont fait des tours du monde, je dis bien en croisière une fois de plus, ils ont vécu, ils connaissent, il y a tout un réseau, il y a énormément d'informations à glaner, presque trop d'ailleurs, il faut faire le tri, sur les bons endroits, qui évoluent très vite, sur les bonnes pratiques et les mauvaises. Donc tout est là. Tout est là pour réussir et après c'est la vie qui va faire en sorte que tout ce qui avait été prévu ne se passera pas exactement comme prévu. Après Rodriguez, les équipages du Gliwo ont fait une longue étape à l'île Maurice pour notamment régater ensemble et pour une escale technique. Puis direction La Réunion, la flotte a ensuite contourné Madagascar, traversé le mythique canal du Mozambique et rejoint l'Afrique du Sud pour un cabotage touristique avec comme point d'orgue Cape Town.